Salut, salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 5 pour la suite de comment gagner de l'argent rapidement. Là, ce sera plutôt comment gagner des points de prouesse rapidement pour pouvoir acheter la Porsche Cayman de 2015 GTS. Porsche Cayman GTS de 2015 pour acheter justement avec les points de prouesse les wheel spin et le super wheel spin dans le même pack, puisque vous pouvez avoir les deux sur la même voiture. Et justement, pour continuer sur la lancée de mon tuto de comment gagner de l'argent rapidement, que je mettrai en description. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Là, j'ai deux méthodes comment gagner des points de prouesse très rapidement. La première, ce sera en faisant avec une voiture de drift. Donc voilà, il faudra prendre une Formula Drift pour mettre le multiplicateur à 7. Donc voilà, il faudra bien faire attention à ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver justement sur l'autoroute. L'autoroute de base. Voilà, on va se retrouver, vous mettez n'importe où. Pas à l'extrémité de préférence pour pas, enfin aux extrémités de préférence, excusez-moi, comme ça au moins vous avez de la marge. Mais nous on va le commencer là, ça va le faire pour le tuto, et je vais vous montrer en combien de temps on pourra gagner des points de prouesse, 10 points de prouesse, et vous montrer aussi deux méthodes. Donc celle-là, ce sera avec le drift comme je vous l'ai dit, et avec ce truc de drift, il faudra mettre les settings de votre PC si vous jouez sur PC à fond. Et vous mettre en ligne, comme ça vous n'avez pas de voiture random qui spawn sur la map et où on peut avoir des collisions avec. Là, ce sera que des joueurs. Donc voilà, mettez-vous en ligne avec vos settings de PC au max, comme vous pouvez le mettre au max pour votre PC à vous. Comme ça, il n'y aura aucune voiture qui spawnera en même temps. Et la deuxième solution, on va se mettre en hors ligne pour justement avoir ces voitures qu'on peut cogner dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une voiture de course et frôler et en même temps rouler très vite. Je vais vous montrer ça et on gagne vraiment rapidement des points de prouesse avec ça. Donc je vous montre ça tout de suite, les boys. Let's go! Et justement, ce qui va faire qu'on gagne beaucoup de points de prouesse, c'est justement de casser un peu tous les éléments en même temps de faire du drift. Donc ça va nous aider justement à gagner des points de prouesse. Et je vous rappelle, avec le multiplicateur x7, il n'y a besoin que de 75 000 points x7 pour justement arriver aux 10 points de prouesse. Donc là on est déjà à 15 000. Et justement, on fait des carambolages en même temps, donc on gagne beaucoup de points en même temps de faire des drifts. Et bien évidemment, faites attention à ne pas battre dans les éléments, à ne pas se cogner contre les éléments non destructifs qui justement empêchent le gain des points de prouesse, enfin des points de drift. Et je vais vous montrer une méthode pour justement gagner vos points de prouesse plus rapidement, parce que de temps en temps on est obligé d'attendre assez longuement pour justement que les points soient validés. Et ce qu'on va faire, c'est, enfin ce que je vais vous montrer, c'est que ce sera validé directement. Bon, là on est arrivé quasiment à la fin. Donc voilà, vous détruisez tout ce qu'il y a sur votre passage. Moi j'ai pas pris pour le tuto, j'ai pas pris les extrémités de l'autoroute, mais vous prenez l'extrémité de l'autoroute. Et ce que vous allez faire dès que vous arrivez à 75 points, donc déjà on va arriver à 75 points rapidement, comme ça je vais vous montrer à peu près le temps qu'il faudra pour les avoir. Dès qu'on arrive à 70 000, on cherche sur la carte une mission. Et on va aller sur cette mission dès qu'on aura les 75 000, les boys. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est déjà arrivé à 75 000. Ce que vous allez faire dès que vous arrivez à 75 000, à 70 000, même un petit peu avant, vous allez directement vous diriger vers une mission.
et en vous dirigeant vers une mission justement, vous allez faire. On va déjà voir où est la mission. Voilà, on va faire X rapidement, on va freiner. On va faire X rapidement, on va faire le participer à l'épreuve et on va faire B. Et voilà, là vous allez gagner vos points directement. Vous n'allez pas attendre l'animation de tous les points de prouesse, enfin tous les points de drift. Là, ça, on a eu les 10 points de prouesse directement, donc c'est ça qu'il faudra faire pour justement gagner plus rapidement. La deuxième méthode maintenant, donc je mettrai le chiffre de combien j'ai, en combien de temps j'ai fait pour avoir les 10 points de prouesse à chaque fois. Comme c'est écrit les boys, entre 2 minutes et 2 minutes 30 pour avoir 10 points de prouesse. Donc en gros, entre 8 et 10 minutes, on peut avoir 2 super wheel spin et 2 wheel spin. Donc avec la Porsche Cayman de 2015, la Porsche Cayman GTS de 2015. Donc je vous laisse faire ça, votre avis. Et voilà, dites-moi en commentaire si c'est quand même rentable pour vous ou pas. Et c'est surtout que c'est legit. Je ne ferai aucun glitch sur ma chaîne, malheureusement. C'est très rentable, mais on peut se faire ban pour. Donc moi, je fais que des choses legit, les boys. Donc j'espère que vous comprendrez pourquoi je monte pas tous les glitches possibles imaginables. D'accord, ça fait des vues, mais malheureusement j'ai pas envie que ma commu se fait justement ban par ma faute. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ferai pas, les boys. Donc let's go pour la suite de la vidéo. Et donc là on va aller sur une voiture de course. Moi je vais prendre la Sesto Elemento. Je sais pas, prenez la voiture la plus rapide pour vous. Moi c'est ce que j'ai là, donc j'ai pas vu d'autres voitures pour l'instant qui est plus rapide. Enfin, j'en ai peut-être, mais j'ai pas encore checké toutes les voitures que j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai joué qu'avec les voitures que je voulais. Donc voilà, j'ai pas encore checké tout ce que j'avais. Enfin, après je peux faire justement une recherche, justement filtrer. Et ce que je vais faire, c'est voilà, le plus haut que j'ai, c'est S2 moi personnellement. Donc voilà, dans les S2 j'ai ça, j'ai celle-là aussi, la Ferrari. Voilà, je vais prendre une Ferrari au pire, voilà. Je savais même pas que je les avais, celle-là. Celle-là. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette Ferrari, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est Star, et je vais me mettre en mode hors ligne. En mode solo. Et dans le mode solo, vous allez voir, vous avez plein de voitures qui spawnent. Non, je vais prendre la Sesto, quand même. La Sesto Elemento, elle est plus maniable. Et vous allez voir, il y a des voitures qui spawnent, des randoms, des voitures qui ne soient pas des joueurs. Et ce qu'on va faire avec la voiture de course maintenant, c'est de rouler très rapidement en frôlant les voitures justement. Et vous allez voir, vous allez gagner des points de prouesse juste en frôlant les voitures. Voilà, là on gagne très rapidement des points de prouesse. On est déjà à 11 000. Ce qu'on fait, bah, vu que je suis. On va l'attendre pour celui-là et on va recommencer. Voilà, 38 000. Et ce qu'on va faire, c'est justement croiser toutes les voitures et les frôler. Et ça va donner très rapidement des points de prouesse. Et quand il n'y a pas de voiture, quand il n'y a pas de voiture justement qui est devant vous, vous frappez les barrières pour justement que les points de prouesse s'arrêtent pas. Par exemple, là il n'y a pas de voiture, on va faire semblant, vous allez rentrer dans les barrières pour justement gagner des points de carambolage pour pas que le truc s'arrête, quoi, en gros. Voilà, là on frôle toutes les voitures. Donc voilà. Tac. Voilà, là il n'y a plus de voiture. Vous cognez dans le décor pour pas que ça s'arrête. Voilà, tac. Cette méthode de rouler vite et de frôler les voitures me vient d'un des abonnés qui m'a donné le conseil de justement rouler très rapidement et frôler les voitures, qui fait gagner beaucoup de points de prouesse. Dès qu'il n'y a pas de voiture, vous rentrez dans les barrières et après vous revenez en frôlant les voitures. Tac.
Et comme vous pouvez voir, ça monte très rapidement. Et encore, cette voiture là, je vais vous montrer. J'ai pas encore fait les points de prouesse. Enfin, j'ai pas encore débloqué les. Parce qu'il faut débloquer. Bon, là, j'ai pas fait le comment ? J'ai pas réussi le comment ? Parce que j'ai battu dans un élément de décor. Mais ce que vous faites, vous, vous allez acheter. Parce que vous avez vu, on était déjà à 60 000, je crois. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre la voiture, vous allez dans maîtrise de véhicule et vous débloquez tout ce qui fait que les points de prouesse gagnent. Enfin, gagnent, comment dire ça ? Que vous gagnez plus de points de prouesse. Par exemple, là, le score de prouesse de vitesse sont augmentés de 15%. Donc, vous prenez tout ça parce que moi, j'ai pas encore fait pour celle-là. Et juste ici, ce qui coûte hyper cher à droite, vos points de prouesse à la chaîne sont encore plus balèzes. Donc, dans le sens où elles s'arrêtent qu'après deux collisions. C'est ce qui est écrit. Donc, en gros, par exemple, là, j'ai battu dans un mur. Normalement, sur cette voiture-là, ça serait pas arrêté si j'avais ça. En gros, j'aurais une deuxième chance de battre dans un élément non destructible ou dans une voiture pour perdre mes points. Là, j'étais à 60 000. Par exemple, j'aurais pas perdu mes 60 000. Mais vous avez vu, vous allez très rapidement en gagner. Et les points de prouesse, comme vous avez vu, j'ai gagné 10 points en à peine 2 ou 3 minutes, même pas. Donc voilà, et vous faites ça, allez, une dizaine de fois, et vous allez être très, très riche très rapidement. Et là, ce que vous allez faire, parce que là, j'ai gagné les points de prouesse, ce que vous allez faire, donc voilà, comme je vous ai montré dans l'ancienne vidéo, vous allez dans collection de voitures, vous allez dans Porsche, tout simplement, on recherche, Porsche, tac, et vous prenez la 2015 Cayman GTS, vous achetez, et là, ce que vous allez faire, c'est pareil, idem, maîtrise de véhicule, vous allez acheter le wheel spin et le super wheel spin qui sera là. Il y aura un wheel spin ici et un super wheel spin juste ici. Donc voilà, je vous laisse checker et faire justement comment gagner des points de quest très rapidement. Vous le faites et vous gagnez très rapidement de l'argent. Moi par exemple, j'ai 7 867 000 et j'ai 257 voitures, 261 voitures, excusez-moi. Et bah, je les ai toujours pas encore checké. J'ai énormément de voitures de toutes marques confondues, donc voilà, j'ai plein de voitures que j'ai pas encore checké. Par exemple, celle-là, j'ai pas encore checké. Enfin, il y a plein de voitures, j'en ai même voilà, j'ai des voitures de course, des voitures de vraiment de tout. J'ai amélioré ce que moi je voulais améliorer, avec quelle voiture je voulais jouer, mais à part ça, voilà, j'ai pas fait autre chose personnellement. Donc voilà les boys, c'était tout pour moi. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aidera. Donc, let's go les boys. Tchuss !